We're about to listen to a fast-spoken French dialogue. Let's see how much you can understand. As always, there is a support guide available with this lesson. Click on the join button below to access it. Join me on Insta, TikTok, etc., etc. I would like you to listen to the following dialogue. This dialogue is a little harder than usual, so concentrate. I will go through it with you afterwards. Listen carefully. Écoutez attentivement. Bon. There is no subtitles. Concentrate as much as you can. Here we go. Salut Paul. Hélène et toi, venez fêter Noël avec nous cette année Non, on ne peut pas, car Hélène veut le fêter chez sa mère. C'est dommage que vous ne puissiez pas vous joindre à nous et pour le réveillon de fin d'année. On n'a rien de prévu car on n'a pas trouvé de baby-sitter. Bah, c'est pas grave. Venez tous chez nous avec les enfants. Ah d'accord, c'est une bonne idée. J'en parlerai à Hélène alors. Ok. That was hard, wasn't it? So how much did you understand? Do you know what the conversation is about? Do you understand the context? What we are going to do is listen to it again, this time with the French subtitles, and maybe it will become clearer. Watch out for the word Noel, which is Christmas. So we know that it's a conversation about maybe Christmas arrangements. Listen to it one more time. Salut Paul. Hélène et toi venez fêter Noël avec nous cette année Non, on ne peut pas car Hélène veut le fêter chez sa mère. C'est dommage que vous ne puissiez pas vous joindre à nous. Et pour le réveillon de fin d'année On n'a rien de prévu car on n'a pas trouvé de babysitter. Ah, c'est pas grave. Venez tous chez nous avec les enfants. Ah d'accord. C'est une bonne idée. J'en parlerai à Hélène alors. Now, let's go through the dialogue one sentence at a time. Listen to that first line. Salut, Paul. Hélène et toi venez fêter Noël avec nous cette année. So, hi, Paul. Are you and Hélène coming to celebrate Christmas with us this year? Set année, have a look at the way the demonstrative is written. We write it C-E-T-T-E -T -T -E because année is feminine. Vous venez fêter Noël avec nous cette année Now let's hear this one. Non, on ne peut pas car Hélène veut le fêter chez sa mère. Non, on ne peut pas car Hélène veut le fêter chez sa mère. No, we can't come to, you know, for Christmas uh, at yours because Hélène wants to celebrate it le fêter at her mother's house. Have a look at le. Le is a direct object. It refers to Noël. Le Noël, okay? It's masculine, so this little direct object is placed before the verb. Hélène veut le fêter. As in Hélène veut fêter le Noël chez sa mère. And chez is the preposition that we use every time we go to someone's place. Let's have a look at the next line. C'est dommage que vous ne puissiez pas vous joindre à nous et pour le réveillon de fin d'année. This one is by far the hardest in this dialogue. C'est dommage que vous ne puissiez pas vous joindre à nous. Et pour le réveillon de fin d'année, have a look at the fact that there is a subjunctive and it's in the negation. C'est dommage que it is a pity that you cannot join us. Now this formula, vous joindre à nous, is really complicated because it refers to se joindre à quelqu'un as in the reflexive, se joindre to meet someone or to gather with someone so this one is extremely hard if you were to use the verb se joindre and you wanted to say i would like to meet you and join in you would say je veux me joindre à vous can you see how that works everything will be explained in the support guide et pour le réveillon de fin d'année and what about the réveillon of the end of the year which is new year's eve the eve of a celebration is called le réveillon for example le réveillon de noël is christmas eve le réveillon de fin d'année is the day before the first of january have a look at the next one on n'a rien de prévu car on n'a pas trouvé de babysitter well for new year's eve we haven't made any plans On a rien prévu. Prévu is the past participle of the verb prévoir to foresee something or to make plans. We haven't made any plans car on n'a pas trouvé de babysitter. Because we haven't found a babysitter. So both sentences are really hard because we are using the passé composé and prévu is a third group verb which makes it even harder and it is in the negation for both of them. We haven't made any plans. On n'a pas prévu. We haven't found the babysitter. On n'a pas trouvé the babysitter. And the next one. C'est pas grave. Venez tous chez nous avec les enfants. Well, that's OK. Ce n'est pas grave ou c'est pas grave. It's not a problem. It's not grave. It's not a problem. Problem. <laughs> How do I say that? Venez tous chez nous. You can all come to our house. And look at the way we say ours. chez nous. Ok, you could say chez moi, at my house, chez nous, at house. Or you could say chez vous, at your house. So, it's not a problem if you can't find a babysitter, come at house, avec les enfants, with the children. And to this we say, ah d'accord, c'est une bonne idée, j'en parlerai à Hélène alors. Ah, d'accord, c'est une bonne idée, j'en parlerai à Hélène alors. All right a good idea, c'est une bonne idée. J'en parlerai à Hélène alors. Now here we've got two points of difficulties here, j'en parlerai. One because parler is conjugated in the future tense and two because we are using en which is a pronoun. So je parlerai de cette proposition à Hélène. Okay, instead of saying de cette proposition, we are using all of that and putting it into this pronoun en. Okay, so Jean parlerait à Hélène alors. And this makes this dialogue really complicated at B2 C1 level. Now, let's listen to it without subtitles one last time and see how much you can understand. Écoutez attentivement. Salut Paul. Hélène et toi venez fêter Noël avec nous cette année Non, on ne peut pas car Hélène veut le fêter chez sa mère. C'est dommage que vous ne puissiez pas vous joindre à nous. Et pour le réveillon de fin d'année On n'a rien de prévu car on n'a pas trouvé de babysitter. Ah, c'est pas grave. Venez tout chez nous avec les enfants. Ah d'accord. C'est une bonne idée. J'en parlerai à Hélène alors. How much did you understand the third time round? Let me know in the comments. Remember that in order to understand everyday French and be able to communicate, knowing a wide range of vocabulary helps. For example, in this case, it's all about Christmas. So learn how to say New Year's Eve or Turkey or whatever it is that you eat in, uh, you know, uh, for Christmas. But knowing vocabulary is really relevant in everyday conversations. As always, you can find the full transcript and explanation of the dialogue in the guide available either by becoming a member or by joining my awesome, awesome website. Now, to get your listening skills even better, listen to this video about going on holiday. Au revoir! À bientôt! Bisous! Bisous!